Bon, mais dit au fond, remarque ensemble avec moi. Est-ce qu'on t'a dépressé pour assister à prestation de serment, installation, investiture, par contre, comme on apprend, monsieur, dame, conseil présidentiel, yo? Ou pas remarqué, en dans prestation de serment, ça, ou bien dans cérémonie, ou pas remarqué, quand c'était étranger que t'es gagné, yo, il était presque égal avec quand c'était haïtien que là. Oh, oh. Ça, c'est image en dans. Gardez blanc cap défilé. Gardez pour eux. Ça aussi des ambassadeurs, des représentants diplomatiques. Kounyala, mesdames, messieurs, est-ce que c'est pas première fois dans le cadre d'une activité officielle où jouent autant de blancs qui présent? Si oui, qui ça qui explique motivation blanc ça a yo? Qui ça qui explique ça? Qui ça qui explique aujourd'hui là blanc yo, mesdames messieurs, comme si aussi intéressé. Et ça qui pas cavini, ça qui pas cavini, ça qui pas cala, yo voye mot de félicitations, d'encouragement pour yo montrer attachement yo, reconnaissance yo, sentiment yo avec ça que t'as fait là. Moi dis où le regarder. Quand c'était blanc présent, yo, dit qu'est-ce qu'il y a des bagailles que vous ne comprenez pas, des bagailles peut-être qui échappent, ou des épisodes qui échappent dans le feuilleton. Pays pas qu'à venir, tant que Kenya, par exemple, le président Kenya bat bravo, et Kenya dit qu'il est prêt, oui, officiellement, Kenya, il est prêt pour faire déploiement en Haïti. Kenya dit qu'il prêt, et tout l'autre pays qui peut constituer force multinationale, là, elle me dit qu'il prêt. Tout de suite après la cérémonie d'installation. Ils ont dit qu'ils sont prêts pour débarquer là en Haïti, ils sont prêts pour venir aider nous, éradiquer les bandits en Haïti. Quand il y a là, et vous remarquez qu'on a fait, pendant la cérémonie d'investiture, nous, mesdames, messieurs, et l'armée américaine débarquer en Haïti, avion, cargo, débarqué, etc. Vous comprenez, vous portez un lot matériel. Ça fait deux lots matériels que vous portez. En peu de jours, deux lots matériels. Avion atterri dans l'aéroport, dans tout bagay. Donc ça veut dire, vous voulez montrer nous là, tout bagay prêt, tout est fin prêt, je vous dis là, vous pouvez attaquer, vous pouvez passer à l'action. Lot matériel pour la police. Qui comportement la police peut aller là dans le jour qui vient là? Comment la police peut aller constituer? Comment la police peut aller camper? Ça est important pour nous connaître. Son question nous le chercher connaître. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous sommes contents d'entrer la carrière avec un pile plaisir. Et nous pouvons faire un petit parler, nous pouvons faire plein d'actualité à Baou, Haïti Réflexion, c'est notre channel là. Et puis ces amis, ils sont qui sont ensemble avec vous. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs, par exemple, sinon, nous allons retourner dans le badge. Ok, bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes contents ensemble avec nous. Encore une fois, nous avons essayé de décortiquer ce qui est là dans l'actualité. Une actualité qui marquait surtout par l'installation, mais la prestation de serment ou l'investiture du conseil présidentiel. L'investiture, ça, il pousse nous en pile bagaille. Vous songez, dans le cadre d'une émission de FM, de dire. L'on bien observé, l'on bien gardé les gens qui constituent le conseil présidentiel là, ou envie de la population haïtienne n'a pas le souffle. Tenez bien. L'on gardé les têtes qu'il a dans lui, l'on gardé les secteurs, structures, partis politiques, acteurs qu'il a dans lui. Ou est-ce que c'est deux gens qui présentent? Non seulement, nous parlons de diplomates, donc étrangers, ça n'est pas les blancs. Mais l'organe, c'est des leaders politiques. Les Sorel Jacinthe. Ou qui n'est pas où? Ou presque c'est toute classe politique qui est là. Tenez,
parti, c'est toute entité qui a fait politique en Haïti qui était là. C'est ça, oui, c'est attention ça, vous voulez comprendre, oui. Vous voulez attirer attention sur ça. Vous avez dit c'est toute classe politique là qui était là. Donc si c'est nous tous qui réunis là, si c'est toute classe politique là, si c'est nous ça comme si c'est expression politique en Haïti, eh bien, pour qui ça, mesdames, messieurs, nous ne pouvons pas avoir une solution. Pour ça, nous ne pouvons pas mettre en tête nous, eh bien, conseil ça, il doit porter une solution et la porter une solution. Parce que, tant que je me dis, c'est moun qui connaît. Et qui qu'on a baillé le son dans la radio, yo. C'est moun qui qu'on a capé, qui qu'on a dit non, bah là pas de fait comme ça, mais comment on le fait plutôt, etc. C'est comme ça que qu'on a habitué faire, pour ça c'est telle façon. C'est de l'honneur de leçon. De moun qui croit que science politique en Haïti, c'est eux-mêmes qui maîtrisent ça. Ben je veux dire là, moi et ma voix, nous pas fait nous aucune illusion si nous dit, n'a pas de résultat, et ceci, nous devons de bons résultats. Maintenant, qu'en a-t-il du blanc? Kenya dit nous, il est prêt. Automatiquement, le conseil fin installé, Kenya dit prêt lui-même pour le voyer et soldat. Pour le voyer 1000 policiers, Benet dit la mettre 2000 disponibles, ça a fait 3000, etc. Donc, on n'a pas avancé. Mais, gon tis oreilles qui dit, ou bien gon tis bouche qui dit dans tis oreilles, ouais. Gon tis bouche qui parle dans 2010, grâce. Quand ça passe mon frère. Même si on a tout ça qu'a dit là, tout ça qu'a fait là. Même si c'est Kenya maintenant qui met devant pas inquiéto. C'est gars ou gars ouais, c'est États-Unis, c'est Canada qui parle tête force multinationale là. C'est eux même qui va le commander ou pas le diriger là en Haïti. Nous songe depuis le lendemain qui a parlé de bail force multinationale, c'est Kenya etc. cetera. On te dit ça son fou là. On te dit ça ne peut pas être vrai. Il y a plein de monde qui était qui pas d'accord avec moi, qui pas d'accord avec approche. Après, c'est droit nous, ok? C'est droit nous qui pas d'accord avec approche ça. Nous disons ça est fou là, et nous disons les autres femmes disent c'est fou là. Nous disons, États-Unis mettent Kenya devant, mais c'est lui-même qui va diriger la force multinationale là. Canada qui officiellement dit non, mais c'est lui-même qui va diriger la force multinationale là. Parce que nous n'avons pas jamais accepté pour notre pays là, comme si Kenya arrivait de s'y tirer un vrai. Ou pas qu'on est gloire pour Kenya l'ouanier. Ou pas qu'on comprenne ça, nous le disons là. Ou pas qu'on est gloire pour Kenya l'ouanier. Or, États-Unis d'Amérique, ils ont mis en tête qu'ils ont mis, mesdames, messieurs, c'est eux-mêmes qui doivent bien contrôler le secteur ça. Et ça, qu'est-ce qu'ils ont dit avec Salvador actuellement là? Naïm Oukele, le président Salvador, monsieur décide de mener une bataille contre gang dans le pays sans les États-Unis, sans le Canada. Bah, ça va faire États-Unis plaisir. Vous comprenez bien? Parce que États-Unis, ils ont dit à ce que, mesdames, messieurs, tout pays qui est dans ce secteur-là, si vous avez une solution qui a une situation, la solution doit passer par eux-mêmes. Donc, vous pensez, c'est avec la grande facilité, ils ont pas accepté que c'est Kenya qui vient sortir juste dans tout Afrique, côté de Zotia, et puis vous venez là en Haïti pour vous décider de gagner. C'est pas vrai, mon cher. Il y a mettre Kenya devant. Il y a une perception que Kenya, c'est lui-même qui a une solution. Il y a montré que Kenya, c'est lui-même qui vient ensemble avec les autres. Pourtant, c'est l'argent vrai. Ce sont eux qui tirent les ficelles. Bon, quand tu dis Kenya, vraiment, tu es capable de déplacer la ville là, comme si Kenya a une solution avec ça, il y a une solution. Ok? Il y a une solution. On entend nous. Donc, mesdames, messieurs, nous dit le Kenya, c'est lui-même qui a dit là, mais c'est États-Unis qui peut prendre tête force, il peut le diriger, il peut le commander. Il n'y a pas fait là sans yon. Ou de accepter ça en tant que tel. Quand y a là, on dit États-Unis, li bay Haïti, de l'eau matérielle, li bay. Pour moun qui te dit c'est cadeau, c'est pas cadeau. États-Unis pas fait l'État Haïti, c'est cadeau. États-Unis pas fait la police cadeau. Gouvernement a même confirmé que matériel ça aux États-Unis livré, c'est matériel que nous acheté dans les États-Unis d'Amérique. Ça veut dire sous tête l'argent nous nous là, sous tête coque nous nous là. Ok? Sous tête coque. Où y a là, même question que vous posez tout, c'est qui expert qui te vérifie matériel ça? Qui
preuve qui garantit qui dit que matériel ça est vraiment authentique et que matériel ça après pour vraiment avec exigence. Pas oublier Canada man nous c'est de blend de bouillie et carton bouillie qui pas utile au merde. Mais et gon bagay tout faut nous dit. Faut nous dit tout que bandi au bon côté pas pas chaud mais non. Mm-hmm. La police commence à gagner moyen en elle parce que les États-Unis viennent avec le matériel pour la police, mais bandi ont toujours pas chômé. Bandi ont tellement pas chômé, il faut attendre un audio. Et côté bandi, il a lancé opération marché pour un policier. Tendez bien, et ça a dit à la vérité là-dedans. Il a fait connaître et yo doué lançon opération marché pour tout policier tout yo parce que jodi an la le force multinationale la vini c'est policier qui va mener tendez bien c'est policier qui va mener et soldat qui fait partie de force multinationale entrer dans ghetto al dénicher normalement parce que écoutez soldat béninois qui vient là men dit me sauve les pas reconnaître et il pas reconnaître tout nèg tant qu'il appli li pap koun zone sa malgré le gros 4 mais d'ailleurs il dit 4 d'Haïti c'est pas un 4 qui update donc ça veut dire faut guider des policiers qui connent quartier qu'on a dans yo qui pour mener yo aller donc faut attendre audio ça regarde les nèg la prochaine ville là même non jamais manger avant ça I bring the wind up in a ville là mais bien à des fichiers. Donc ça veut dire qui ça? Nous du bandi pas chômé et ou sont tendez là, ou tendez déclaration bandi, ou tendez assaut lancé, ou tendez modèle d'opération que bandi ont lancé. Ça veut dire policier ou pas en sécurité. Ça veut dire policier yo yo pas exempt des menaces. Je dis là mesdames messieurs, nous trouvons nous dans carrefour, nous trouvons nos situations côté n'a demandé et qui solution vraiment qui vient sous table là. Ouais et nous t'a dit conseil présidentiel installé c'est à dire yon ouf on bouffe d'oxygène pour peuple là mais peuple là pas ouel comme ça non pourtant non mon cher peuple là pas ouel comme ça selon peuple là grand pile monde qui fait connait ça qu'a fait là pour qu'on gagne rapport vrai avec yo tout ça qu'a décidé là ça bagaille yo même yo décidé mais au même peuple là pour qu'on jamais dit mot pas yo bon faut suivre et quelques réactions quelques citoyens qui t'a bail opinion yo sous ça qui a passé là sous installation conseil présidentiel tout ça qui a fait yo il y a des citoyens qui pas ouais ça de bonheur il y a des citoyens qui plus quoi que ça qui a fait là yo c'est les gens sont manière y a utilisé pour continuer à asseoir hégémonie et dans ça vous obligé comprendre parce que ouais États-Unis Canada la France songez avant d'abdou Canada États-Unis la France pas jamais accepter pas jamais admettre pour que son l'autre pays qui vient prendre tête une force multinationale mais son l'autre pays qui vient diriger là parce que gloire c'est pour yo boulier
système qui est là en Haïti, il fait bonheur avec vous. C'est lui-même qui fait vous plaisir. Donc c'est ça qui fait. Il a toujours créé tout moyen, mesdames, messieurs, pour que vous montez des gouvernements, vous montez des gens qui ont toujours kembe système dans la vie pour vous. Les gens qui ont le premier ministre, sont les gens qui sortent des États-Unis d'Amérique directement. Sont les États-Unis habitués à utiliser normalement. Si les États-Unis habitués à utiliser, c'est même les gens aux États-Unis prêts à l'utiliser. Je dis ça. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit pourquoi ça blanc intéressé avec Haïti comme ça? Parce que, écoutez, nous tous nous avons fait à travers le monde, pas vrai? Nous tous nous avons comment le monde bouleversé, comment la situation y est là à travers le monde. Mais, blanc tellement. C'est comme s'il quittait propre problème, il quittait ça pour le faire la Kaili. C'est dans quoi nous venons, c'est sous dos nous, la piafé. Tout ça qu'a fait là, ouais, blanc, c'est nous-mêmes, Haïti. Je vais faire tant de vidéos. Nous sommes obligés de faire nous vivre. On sait de bail. Malgré audio ça, on m'entendait ou déjà, mais il faut que nous rabattons l'esprit de nous sous lui parce que nous avons un travail d'éducation à faire. D'ailleurs, la presse. C'est former et informer. C'est une mission. Nous faut nous former l'esprit population. Hein? Parce que nous avons une population qui a un cerveau qui est faible, qui a un cerveau qui est pauvre. Il faut nous former. Il faut nous mettre en condition. Il faut nous créer condition pour qu'on comprenne ce qu'on fait là. Évitez d'entendre ensemble, mesdames, messieurs. Et monsieur, vous mettez attention là pour comprendre ce qu'on dit. Parce que il y a un pile cause qui parle là à travers la vidéo, ça, mesdames, messieurs. Arrivée d'une force internationale dirigée par les Américains le 10 janvier 2023, mais cela ne s'est pas passé comme prévu et ils ont changé de plan. Par la suite, ce fut au tour de la Jamaïque de vouloir intervenir en Haïti. Les Américains avaient réussi à convaincre les Jamaïcains en février 2023 d'intervenir militairement. Comme on peut le voir dans ce journal, la Jamaïque indiquait être prête à participer militairement à une force internationale. Cette déclaration fut de très courte durée puisque la Jamaïque s'est par la suite rétractée et a passé le flambeau au Canada. Suite à ce nouvel échec, ils ont annoncé l'arrivée de la coalition militaire, cette fois-ci menée par le Canada. Mais Justin Trudeau s'est très vite rétracté. Et il a reconsidéré la question, comme en témoigne l'article ci-dessous. Le Canada a ensuite passé le flambeau au Kenya. Le Kenya, quant à lui, devait intervenir comme l'avait soutenu son président. Et c'est sans surprise que l'on apprendra que le Kenya, qui était si prompt à s'engager, va finalement faire marche arrière sur son intervention, comme les autres l'ont fait précédemment. Aujourd'hui, c'est au tour du Bénin d'annoncer son intervention en Haïti, avec l'envoi de 1000 hommes. Les Américains misent sur eux car ils pensent peut-être que les Béninois sont assez mystiques pour pouvoir entrer sur le territoire. Mais comme leurs prédécesseurs, ils reviendront sur leur décision et suspendront leur intervention. Mais pourquoi donc tous ces pays, après avoir accepté l'intervention, reviennent sur leur décision et refusent à tour de rôle? Comme je l'ai évoqué dans la précédente vidéo, Haïti a le champ magnétique le plus puissant de la Terre, car Haïti est en réalité au centre de la Terre. En effet, Haïti est situé sur le noyau terrestre, et ce noyau terrestre génère un champ magnétique qui empêche aujourd'hui une armée étrangère de pouvoir rentrer sur le territoire. Car ce qu'ils ne disent pas et dissimulent, c'est qu'ils ont bien essayé de se rendre sur le territoire via divers moyens, et à chaque tentative, cela a occasionné la mort de plusieurs de leurs soldats. Car à chaque tentative de leur part, le champ magnétique se met en place. Haïti se trouve au centre de la Terre comme nous pouvons le voir à travers cette carte, qui contient même les extraterres. On aperçoit clairement que Haïti est au centre de toutes les terres. De plus, il est dit que Haïti possède le deuxième plus grand gisement d'iridium au monde, ce qui est faux, car Haïti possède 90% des réserves d'iridium dans le monde, ce qui fait donc d'Haïti le premier pays à détenir les plus grandes réserves d'iridium. Alors, question. Savez-vous pourquoi Haïti détient autant de réserves d'iridium? Quel est le mystère derrière cela? Car Haïti possède des montagnes d'iridium, de pure qualité. La raison est simple, l'iridium est produit en continu et en très grande quantité dans le noyau terrestre. Cet iridium remonte par la suite à la surface de la Terre. Comme d'après le site fastercapital.com qui a publié un article sur l'iridium. Dans cet article, il confirme que l'iridium est abondant dans les noyaux terrestres et que l'iridium présent dans les noyaux joue un rôle important dans le champ magnétique de la Terre. Or, Haïti possède le champ magnétique le plus puissant de la Terre, car Haïti détient les plus grandes réserves en iridium. Cet article confirme donc ce que nous avançons.
Ceci prouve encore une fois que Haïti se trouve sur le noyau terrestre et c'est à partir de ce même iridium que se constitue le champ magnétique de la Terre. Pour ceux ayant regardé le film Wakanda, le métal qui est à la base de toute leur technologie et leur puissance est le vibranium. Le vibranium correspond dans la vie réelle à l'iridium, ce métal qui est l'un des plus rares au monde et vaut 3 fois plus que le prix de l'or, c'est-à-dire plus de 6 000 $ l'once. Il ne provient en réalité pas d'une météorite comme il laisse à penser, mais provient directement du noyau de la Terre, là où il est formé. D'ailleurs, dans le film Wakanda, le fils de T'Challa est né en Haïti. Ceci fait référence à la bataille finale qui doit se dérouler là-bas. L'iridium permettrait des avancées technologiques qui n'ont pour l'heure jamais encore été évoquées et qui dépassent l'entendement. L'élite ne peut pas quitter le dôme et échapper au jugement qui est en cours et avoir accès aux extraterres sans l'iridium d'Haïti. C'est la raison pour laquelle nous voyons des tweets tels que celui-ci sur Haïti de la part d'Elon Musk, celui qui s'est vu attribuer la mission par l'élite de percer le dôme. C'est pourquoi Haïti est aujourd'hui en bataille finale et vous n'aurez de cesse d'entendre parler de cette île à l'échelle mondiale. Car l'horloge du monde est en Haïti, c'est sur Quisqueya, la mer des terres, que tout a commencé, c'est donc sur la mer des terres que tout finira. Peace. Eh bien, c'est même gentil. Nous allons faire suivi avec une autre vidéo côté bon citoyen lui-même qui t'a expliqué tout. Et réseau qui fait États-Unis, Canada, la France. Et réseau qui fait ou la guerre, nous n'en fatra nous là. Réseau qui fait, ils mettent la sécurité à nous là. Nous là. C'est pour décourager nous tous quitter le pays. Nous avons monsieur dit, c'est comme si nous avons réserve d'iridium, nous gagnons, etc. Son façon y a fait, oui, pour décourager nous. Pour yon chasser nous, pour yon faire nous fuir le pays. Yon kon pour qui ça yon mette insécurité à la. Yon kon pour qui ça. Haïti pas toujours lié là. Nous pas toujours dans l'état lié là. Entendez. Nous voulons nous connaître raison qui fait yon livrer nous bay bandi, raison qui fait Haïti genye là, et raison qui font ouais. Yo tout viré do ban nou parce que gon plan et Trump dit ouais ça Trump dit Haïti a van yon lè y a pris ton lè nou pa pour Haïti a existé et Haïti yon jou n'ap dit timo sote ça côté moun yo ka viv la yo tout gen pour aller aux États-Unis. Haïti son pays qui riche en iridium. Iridium yo dou c'est en Afrique du Sud qui premier pays riche en iridium, premier réserve, pourtant c'est Haïti. Gen deux pays qui riche en iridium dans le monde là, c'est Afrique du Sud et Haïti. Haïti placé en première position, mais au métal là en deuxième. Iridium là, son métal précieux, yo utilisé pour faire moteur avion parce qu'il a une capacité il endure des hautes tensions, chaleur, haute capacité de chaleur. Le moteur avion a viré côté 150 à 200 moun. Moteur ça viré. Ou pas imaginer aussi tellement il ca tellement ils vont au niveau chaud. Il ka vin fond fè ak fond et bien ça iridium yo fè Haïti nous gon paquet iridium nan au sud-est d'Haïti yo tout nan ouest là la nan Port-au-Prince ça c'est iridium en tout cas après prend son pourtant de causé ou pas de jam konnen pour qui y a fait nous ça fait nous là mais peuple haïtien prier yon jour nous gen pour nous délivrer nous non pays qui tellement riche c'est bloc iridium nous gen. C'est pas sans raison ouais film yo le Wakanda yo joint en Haïti et ou après gon petit T'Challa il fait en Haïti et yo gon l'autre métal yo le vibranium Haïti chargé ça c'est bloc montagne yo dou Haïti qui ce qu'a au boyo qui veut dire merde de toutes les terres. En tout cas qui t'aime qui tôt tendez causer tendez saper en nous hein. Nous c'est peuple qui tellement riche seul iridium n'a qu'à développer Haïti. Regardez, 50 fois plus que les États-Unis. Vous comprenez ça? Semble nous pas comprendre ça qui iridium. Iridium, tant qu'on pierre, tant qu'on roche, yon once iridium égale 0,028 kg. Yon once. Et yon once égale 28 grammes. Yon once iridium, je vais regarder là, vaut 6 fois plus que l'or. Capacité, valeur. 6 fois plus que l'or, yon 11,26 000 $ et des jours en jour la vente piche. Iridium nan c'est li utilisé l'or on fusée à monter la pousser du fait j'en regarder là c'est iridium qui fait yo métal ouais qui kembe capacité chaleur c'est iridium yo fait sans li yo pas ka voyer satellite en l'air. Haïti premier pays chargé adieu.
ou pas gens a tué nous yo quitter nous a fini pour nous pas exister encore plus nous trouver nous dans centre monde là nous fait partie de l'Amérique centrale là nous fini a vinn prendre toute terre et pour ça a exterminer nous. En tout cas qui t'aime qui t'entende prends son tende en français yé ou a comprendre tende. Cette vidéo est le 6e épisode. Elle vise à apporter des preuves substantielles visant à attester que Haïti était la terre des rois, que les rois de France étaient les rois d'Haïti et que l'histoire de France est en réalité l'histoire d'Haïti. Aujourd'hui, nous allons prouver que Haïti est au centre de la terre, c'est-à-dire que Haïti est situé sur le noyau terrestre. Et c'est pourquoi l'Empire d'Haïti était le centre civilisationnel des Hébreux, c'est-à-dire le territoire central où toutes les décisions importantes étaient prises. Mais tout d'abord, définissons le mot Haïti qui s'écrit avec un Y et non pas avec un I ou I tréma. Comme nous pouvons le voir dans l'acte d'indépendance et la constitution du père fondateur, de celui qui rétablira l'Empire en 1804, qui est nul autre que Jacques Ier, connu également sous le nom de Dessalines. La mauvaise orthographe de Haïti avec un I tréma ou I vient des francs-maçons qui instaurèrent la République et la démocratie. En effet, lorsque les puissances occidentales complotèrent pour détruire l'Empire d'Haïti et que ce dernier fut détruit, ils vinrent avec cette nouvelle orthographe. Dans le but de faire baisser en vibration le nom et son énergie, car l'énergie vient du nom et de la bonne orthographe du nom. Ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, que signifie Haïti? Tout d'abord, il faut savoir que l'île a deux noms, celui que vous connaissez, Haïti, et Quisqueya Boyo. Selon les Taïno, qui est en réalité un nom codé pour dire Siano, donc Haïtiano, donc désigné ceux venant de l'Empire d'Haïti, il est dit que Haïti signifie « terre montagneuse » et que Quisqueya signifie « mère de toutes les terres » ou « mère de la terre ». Comme on peut le voir dans le Harper New Monthly Magazine, publié en 1873, où l'on peut voir le passage suivant, « Quisqueya, Mother of the Earth ». Nous trouvons également la même définition du mot « Quisqueya » dans le Commerce Report, volume 4, publié en 1918. Dans le passage suivant, « Quisqueya, meaning Mother of the Earth ». Dans le livre intitulé « Santo Domingo » publié en 1873, on y trouve la définition de Boyo. On peut lire le passage suivant, « Boyo which signifies land of many villages or habitations ». Donc nous pouvons dire que Boyo signifie maison. Donc Quisqueya Boyo signifie « la mère de toutes les terres et ma maison ». Et Haïti sous sa vraie orthographe est un nom codé signifiant « Ya-Ti », c'est-à-dire « la terre de Ya ». C'est la raison pour laquelle ils ont modifié son orthographe. Je souhaitais vraiment conscience ou réveiller. Je souhaitais certainement une prise de conscience qui traversait par rapport avec ça que je dis là. Il faut comprendre. Insécurité, nous sommes là. Il n'y a pas arrêté comme ça le calé. Il faut comprendre. Situation qui a développé là en Haïti, les bonnes raisons d'être, les bonnes raisons de faire comme ça. Maintenant, il y a plus de monde qui dit bon. Il y a besoin de prendre pays comme ça. Vous savez, il y a une bombe, il y a explosé le pays et puis il y a tout, tout fini. Et plein de démarches, il fait une tactique, une politique, il utilise, il toujours crée une situation, il toujours met une situation côté que faut qu'on toujours dans chier pit, faut qu'on toujours dans craser briser, faut qu'on toujours à couteau tiré. Pourquoi le conseil présidentiel ça monté là? Il n'y a pas de nation qui accepte, alors il n'y a pas de secteur, parti politique qui accepte et embrasse. Pour le gazer, oui. D'ailleurs, depuis le choix, le premier ministre a commencé à gazer. Depuis le choix, depuis le monde qui a choisi pour venir premier ministre, pour commencer à gazer, on a dit de tout ça. Pour le gazer. Kounya là, mesdames, messieurs, blanc pour créer une façon, pour créer une zizani, parce que le signal qui a voué là, il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas d'avantage blanc. Blanc, après, il faut comprendre que Jean-Louis signal là et là. Regardez, quand c'était mon. Même Mildred Aristide était dans l'investiture. Par contre, vous comprenez. Ou presque, c'est tout haïtien. C'est comme si le conseil présidentiel là, il réunit tout le monde. C'est comme si tu as parlé de conférence et nationale là. C'est comme si tu as son sorte de réconciliation. C'est comme si tu as c'est toute nation vraiment qui accepte de mettre tête ensemble pour accoucher ça qui est là. Alors, pensez. Ou penser avec facilité vrai et conseil de moun là ou bien blanc pour accepter pour nous et revenir pour conscience sous dollar blanc on est très clair automatiquement on prend conscience et puis les mêmes ou fout les dehors même gens ouais les pays d'Afrique gros prise de conscience qui traversent ils ont décidé de mettre États-Unis la France Union européenne dehors ils mettent toute entité ça dehors c'est même gens tout gros prise de conscience qui traversent nous on a fout tout dehors.
C'est ça doit connaître. C'est ça doit comprendre, mesdames, messieurs. Ou a pas de place pour yo depuis conscience la traverse tout bon. Et c'est ça yo peur. C'est ça yo pas vle. Yo pas jamais accepter ça. Yo pas jamais admettre ça. Nous voulons comprendre bataille nous pas piti. Si nous voulons libérer la nation tout bon, yon nan bataille pour nous faire là, yon nan bataille pour nous créer pour nous faire là, mesdames, messieurs, c'est prise de conscience, c'est le même qui pour traverser nous. En campé là, mesdames, messieurs, je suis content ensemble avec vous. Et bon week-end tout le monde déjà. On est vendredi. À la semaine, oui, papa. Tête chargée. Ok, je dis à ce vendredi. Nous sommes contents ensemble avec vous. Nous sommes contents de présenter une émission ça comme de façon coutumière. Chaque fois, nous avons une occasion pour nous parler, pour nous causer. Nous avons toujours fait Haïti Réflexion, c'est notre channel. Et puis, ses amis, Esdras Fizemé, qui était ensemble avec vous, qui t'a partagé ensemble avec vous. Réflexion journée. Pas oublier, dès le début, nous disons, et nous devons observer. Hein, nous faut observer quand c'était blanc qui était présent dans cérémonie ça ça prouvé à clair mesdames messieurs des bagages qui a planifié à terre là OK et là on regarde quand c'était secteur tout qui était présent des bagages qui a planifié à terre qui peut être trois fois pour moi ensemble avec vous restez connecté ensemble avec nous ou même qui était à peine tombé sur nous invitons pas aller sans pas activer cloche notification hein, ou pas pour regretter bye bye tout le monde n'a croiser prochainement pour une autre vidéo.